Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Vous avez bien récupéré de votre combat? Si vous êtes d'accord, je suppose que nous levions le camp le plus tôt possible. Mais pourquoi cette soudaine précipitation, me direz-vous? Eh bien, figurez-vous que Sancred m'a contacté il y a quelques minutes pour m'informer que lui et Yashtola avaient trouvé des caisses sur lesquelles figure l'emblème d'Ishgard. Il semblerait qu'un individu ait détourné d'importantes quantités de cristaux, qui avaient été réunis pour la bataille de défense d'Ishgard. Nul doute ne fait que les Assyriens tirent les ficelles dans l'ombre. Sir Emrick a ordonné aux Templiers de se pencher en priorité sur cette affaire. Compte tenu de l'ampleur des moyens déployés, il ne devrait pas mettre longtemps à trouver le ou les coupables. C'est en tout cas ce que Tancred m'a dit. Je crois que nous devrions enquêter pour savoir s'il n'y a pas d'autres cristaux qui ont été vendus sur le marché noir. J'aimerais retourner au refuge des Sables pour avoir l'avis du Rurlinger, et aussi lui rapporter ce qui s'est passé ici. Elle disait c'est encore isolé, on dirait. Pourriez-vous aller la retrouver pendant que j'annonce la nouvelle de notre départ au sous-commandant, s'il vous plaît? Je doute qu'elle soit partie bien loin. Ouais, mais c'était pas mal le Roi Lion 2 en vrai. Dans les deux, il y en a, bon, y en a plein, c'était nul à chier. Mais le Roi Lion 2, c'était pas mal. La petite sirène 2, c'était pas mal. Et quoi d'autre? Alors Cendrillon 2, c'était nul, mais Cendrillon 3, c'était pas mal. On voit la grosse culture que j'ai, hein, cinématographique. Désolé, je vous ai encore causé du tracas en m'éloignant sans rien dire. L'heure du départ a sonné, c'est ça? Très bien, c'est quand vous voulez. Je suis prête. Qu'est-ce que tu vas faire de Gabou? On va le prendre avec nous, non? J'étais encore hésitante, mais je vois que toi, tu as déjà pris ta décision. Oh, on va pas le tuer, please, non? Le pauvre n'a pas prononcé un seul mot depuis l'incident. Je n'ai pas l'impression qu'il ait dormi non plus. Je ne peux résolument pas le garder avec moi dans ces conditions. Mais si, on le prend avec nous. Il va voyager, tout, ça va le changer les esprits. J'ai par conséquent décidé de le confier au Maelstrom. Qu'à bout d'être en train de lutter en ce moment, d'être tiraillé entre l'envie de remettre toute sa peine et sa souffrance à Titan, et la profonde aversion qu'il nourrit à la guerre de la croyance qui lui a volé ses parents. J'ignore quelle sera l'issue de la lutte, mais d'ici là, je vous prie de bien vouloir le considérer comme un kobold amical. Ne vous en faites pas, mademoiselle. Les Limsars sont ouverts d'esprit. Chez nous, les Obeds sont traités de la même façon que les humains. Et puis, c'est grâce à lui que nous avons pu trouver les cristaux. Vous n'avez pas été là? J'aurais peut-être déjà enterré plusieurs de mes gars. Je manquerai pas de faire part de ces faits à mes supérieurs. J'espère qu'il va aller mieux, lui, le petit. Je comprends ta peine, Gabou. Moi aussi, j'ai perdu un être cher. Une personne à laquelle je tenais plus que tout au monde. Je sais ce que tu ressens en ce moment. Cette tristesse. Cette colère. Cette impuissance. Je vais pas t'ennuyer plus avant. Mais si je peux me permettre un conseil... Reste fort. Malin, on le prend avec nous, là. Ces sentiments finiront par disparaître un jour. Cela prendra du temps, c'est certain. Tu ne dois pas céder au désespoir. Tes sentiments ne doivent pas servir à alimenter une croyance dénuée de sens, aussi douloureux soit-il. Ils prouvent que tu es vivant et que tu aimais profondément tes parents. Si tu cèdes à la tentation, tu ne peux que te faire du mal. Et moi, je ne veux pas devoir souffrir. Bien, il est temps d'y aller. J'aime papa et maman. Je les oublierai jamais. Merci, oui. Merci. Il me fait trop de la peine. Prenons, on le prend, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on le garde. On le prend avec nous, s'il vous plaît. Non, rendez-le nous. Je l'adopte. Que vous s'en remettra, j'en suis persuadé. Il sait qu'il a des amis sur qui compter pour l'épauler dans sa lutte. En attendant, cette histoire m'a fait prendre conscience que les primordiaux étaient aussi dangereux pour les humains que pour les hommes bêtes. Ils font des victimes dans les deux camps. Mettons-nous en route. Nous devons retrouver les auteurs de cette du complot le plus vite possible. Je vais leur faire payer au centuple le mal qu'ils ont fait. T'as les vengeresses, hein. Alizée, elle a l'argent plus sans chaud que Alfino. Genre, elle est en mode, elle réfléchit pas. Enfin, c'est pas qu'elle réfléchit pas, mais elle est en mode... Allez, on va pas délibérer 30 ans, on y va, et on défonce les trucs, et basta, quoi. On n'a pas le temps de niaiser, on y va. Mes amis, c'est un grand soulagement de vous retrouver sains et saufs. Hunter, nous ne pouvons pas dire que la mission a été un véritable succès.
Mais nous avons tout de même réussi à contrecarrer le plan des Asiens avant que les guerriers des ténèbres n'interviennent. C'est tout ce qui compte. J'ai moi aussi quelques nouvelles à vous annoncer. Commençons d'abord par votre requête concernant la fusion des dimensions. L'oracle de Gerun suggère l'existence de mondes parallèles au nôtre. Chaque fois qu'un fléau surviendrait, l'un de ces mondes disparaîtrait pour se mélanger au nôtre. Oui, ça c'est ce qu'on avait plus ou moins compris. Ce qui voudrait donc dire que 7 dimensions parmi les 13 existantes ont déjà fusionné avec le monde primitif. Oui, parce que le truc là d'Alamu, là c'était le 7e fléau. C'est exact. De ce que j'en sais, cela coïncide plutôt bien avec le témoignage de la messagère d'Aidoline, n'est-ce pas? Putain, il l'appelle même plus Minfilia. Il appelle la messagère d'Aidoline directement. Genre, c'est plus Minfilia, quoi. J'ai trouvé un passage dans les apocryphes qui pourrait expliquer en quoi consiste ce phénomène de fusion. Il dit que quand un monde s'évanouit, toute vie est réduite à l'éther. Et cet éther s'écoule vers le monde primitif. Et donc tout le monde meurt alors. Parce que quand un truc est réduit à l'éther, c'est tu meurs quoi. Quoi? Mais alors même si les guerriers ténèbres parviennent à leur fin, tous les êtres vivants de leur dimension sont condamnés à mourir? Exactement. Disons que les enveloppes charnelles et les vécus disparaîtront. C'est un processus que nous appelons communément la mort. D'un autre côté, leur monde est menacé par un déluge de lumière. Si jamais une telle chose se produit, tout se fondra dans le vide. Et s'il n'y a pas de vie possible dans le néant, il n'y a pas de mort non plus. Ouais, mais si, mais c'est quoi le mieux entre mort 1 et mort 2 finalement? Ce qu'ils disent, il n'y a pas vraiment de mort, donc c'est-à-dire que tu erres, mais si tu meurs. Enfin, c'est fini quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc dans un cas, c'est fini quand même, dans le second cas, c'est fini. Ou alors ils ressuscitent, mais si tu ressuscites, les gens ils n'ont pas leur souvenir du passé quand ils ressuscitent. Enfin, si leur éther revient. Vous voyez ce que je veux dire au point? C'est un peu compliqué tout ça. Avant que tout ne soit anéanti, ils veulent au moins que l'éther, la substance de leur âme, soit transférée dans notre monde où ils pourront renaître. Voilà la véritable intention des guerriers d'âme. Mais oui, mais ils peuvent pas renaître avec leur vécu, comme il dit, le vécu, il part. Donc oui, ils peuvent renaître, mais c'est juste... Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je n'arrive pas à y croire. Sont-ils donc désespérés à ce point? C'est-à-dire que pour eux, ils préfèrent avoir la possibilité de ressusciter même sans ne plus se souvenir de ce qui s'est passé avant et donc entre guillemets subsister plutôt que de disparaître à tout jamais quoi. C'est ce qu'ils préfèrent. Pour faire simple, si j'ai bien compris. L'autre information que j'ai à vous communiquer concerne les Asiens. Mes oisillons m'ont pépié dans l'oreille que des Miguas du Tanalan méridional avaient réussi à se procurer de grandes quantités de cristaux passés en contrebande. Tes oisillons, c'est plutôt toi, non? Le gros oiseau, c'est toi, le gros piaf, non? Des Miguas? Voilà qui est pour le moins curieux jusqu'à présent. Seuls les Umbats ont été approvisionnés en cristaux. Êtes-vous sûr que les Asiens se cachent derrière cette transaction? Mais il y avait le petit, là, celui qu'on a retrouvé mort, là, qui faisait partie des Braves du Cristal. Il voulait faire pop à un primordial, non? Genre leur primordial, je sais plus qui c'était. Un truc du feu ou je sais pas quoi. Enfin, je me souviens, ils arrêtaient pas de dire ça. Qu'ils voulaient des cristaux et c'est pour ça qu'ils étaient. Abram Reborn, ils avaient fait un truc avec les Amalja ou je sais pas quoi. Puis après, bon, bref, c'était une longue histoire. Absolument. Dans le passé, les Asiens ont déjà essayé de manipuler les jeunes Miguas pour qu'ils invoquent Ralgr. Ben, c'est exactement ce que je disais. Il faudrait peut-être que je lise avant que je dise ce que je pense. Sans doute envisage-t-il de recommencer. En outre, il semblerait qu'un des contrebandiers ait été directement impliqué dans les violences qui ont lieu à Ulda. Elin Roy a certes été incarcéré, mais les quelques membres qui restaient dans sa faction n'ont pas abandonné la lutte pour autant. Ils ont largement contribué au mouvement des révoltes, et maintenant ils assistent les Asiens. Putain, mais on a tout le monde contre nous. Ça alors? Mais maintenant que vous le dites, il est vrai que Roy est originaire d'Ishgard. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que des membres de sa faction aient des contacts entre les deux camps. Dans les deux camps. Cela ne dit rien qui vaille. Je propose que nous rendions un petit à l'amigo afin de tirer cette affaire au clair. Qu'en pensez-vous? Oui, allez, tirons-lui les verres du nez là, c'est le moment. Tu as raison. Allons vérifier si cette information est vraie. Bon courage, n'hésitez pas à m'appeler si besoin. Oui. D'ailleurs, parce qu'elle est à côté de lui, elle est en mode. Tu sais, genre, elle le fixe jusqu'à ce qu'il soit mal à l'aise. Ici Sancred, vous m'entendez? J'ai une information importante à vous communiquer. Les Templiers ont appréhendé les trafiquants de cristaux. Ils ont avoué leur crime et ont déclaré qu'un homme en robe noire les avait incités à les commettre. Comme par hasard. C'est une excellente nouvelle. Ce coup de filet devrait mettre un terme au trafic de cristaux dans la région.
C'est aussi mon avis. Toutefois, si l'on suit au témoignage de ces malfrats, une autre transaction aurait déjà été réalisée dans le Tanalan méridional. Les resellers seraient des Miguas, a priori de petits Alamigo. Oui, on y va, on y va, on y va, on y va tout de suite, c'est la merde, on y va. Voilà, c'est tout ce que les interrogateurs du capitaine général ont réussi à soutirer. Je vais à présent quitter la Sainte Cité pour partir enquêter sur place. Drôle de coïncidence. Figure-toi que Yomil, ma sœur et moi-même avons obtenu une information identique à la tienne. Nous étions justement sur le point de nous mettre en route. Ah bon? Dans ce cas-là, je suggère que nous retrouvions à Petit Alamigo et que nous poursuivions l'enquête ensemble. Ah oui! Il y a un détail que vous ignorez peut-être. Une vieille connaissance figurait parmi les contrebandiers, qui ça? Au début, je n'arrivais pas à associer de souvenirs à son visage, et puis ça m'est revenu subitement. C'était l'un des subordonnés d'Ellen Roy. Il a sans doute repris la tête du groupe et poursuivi ses activités révolutionnaires après qu'elle a été arrêtée. Ellen Roy. Excusez-moi, Sancren. A vous fait part de cette information à quelqu'un d'autre? Non, vous êtes les premiers à qui j'en parle. Souhaitez-vous que je contacte une personne en particulier? Non, non, je vous pose la question. Car Ryongji nous a dit la même chose tout à l'heure. Non mais bon, c'est bon, on sait que c'est Ryongji. Qui sait des trucs. C'est qui le truc là de qui il parlait, j'ai pas compris. Portement d'Alizé, la garde de Ryongji m'interpelle. Et vous remarquez comme elle est froide avec lui ces temps-ci. S'entendait pourtant si bien jusqu'à présent. Oui, mais non, c'est... Pourquoi on lui dit pas? Ryongji était un disciple particulièrement assidu de mon grand-père. Vous voyez souvent au manoir des Leveilleurs, à tel point qu'il m'est arrivé de croire qu'il faisait partie de la famille. Alizé était très proche de lui. D'ailleurs, elle ne lâchait pas d'une semelle quand il venait. Bah, peut-être que je me fais des idées après tout. Tancred a confirmé nos informations. Nous pouvons maintenant nous rendre à Petit Alamigo afin d'y trouver des preuves concrètes. Let's go! Oui, non, non, si, je me souviens de qui c'était. Mais là, en fait, comme j'enchaîne les trucs, c'est encore plus ou moins frais. Il y a certains trucs qui sont... je mélange un peu. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal d'infos. Donc, je pense que quand t'as du temps entre les patchs, tu vois, t'as le temps que les infos, elles décantent dans ta tête. Donc là, du coup, j'essaye de retenir un maximum de trucs. Mais c'est vrai que c'est un peu... Genre, c'est un peu comme si tu suivais un cours, renforcé d'une matière X ou Y, quoi. Genre comme si t'avais jamais fait de géographie de ta vie et qu'en 3 jours tu dois apprendre toute l'Afrique, toute l'Asie, toute l'Europe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'avoir genre une semaine et tout pour bien comprendre les trucs. Qu'est-ce qui peut bien manigancer? Ah, pardonnez-moi, je ne vous avais pas vu arriver. T'as Alizé, elle est comme moi, elle est parano. Là, dès qu'il se passe un truc, elle est en mode putain, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai un problème avec Ryongji, eh bien, vous ne faites pas dans la dentelle, vous. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de sérieux. J'ai juste la désagrémentation qui nous cache quelque chose. Moi aussi. Rien que d'y penser me donne la nausée. Mais si jamais elle venait à nous trahir, alors je le neutraliserai sans état d'âme. Je travaille une technique en secret depuis quelques temps et je n'hésiterai pas à m'en servir contre lui. Oh, mais calmez-vous, Alizé, elle est complètement folle. J'adore, elle est complètement zinzin. Elle pourrait faire n'importe quoi et tout, j'adore. Et là, on va dire, let's go, si on doit décapiter Ryongji, on va le faire. Wouhou! Mais c'est parlé de ça. Nous sommes venus ici pour remonter la piste des cristaux passés en contrebande, pas vrai? Son crâne n'est pas encore arrivé, mais nous pouvons sans doute commencer à interroger les gens pour gagner du temps. Let's go. Toujours pas de son crâne en vue. Bon, je propose que nous commencions sans lui. Nous savons que la transaction a eu lieu près d'ici. Maintenant, nous devons réduire le nombre de suspects, car des Miguas est une description bien trop vague à mon goût. J'ai un peu réfléchi en route. Et je me disais que nous pourrions peut-être interroger les habitants de Petit Alamigo afin de voir s'il n'y a pas des rumeurs qui circulent sur le sujet. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, Alizé et moi nous occuperons de la partie ouest de la colonie. Nous vous laisserons vous charger de l'autre moitié. Nous n'avons qu'à nous donner rendez-vous à cet endroit d'ici une quinzaine de minutes, d'accord? S'il s'est passé quelque chose de particulier récemment? Un peu, mon neveu. Le griffon nous honorait d'une visite. La révolution est en marche. Le griffon, c'est quoi ce truc? Oh là là, c'est encore... ça va être un nouvel ennemi ou je sais pas quoi, et ça va être le bordel. Bon, bref, on verra. Comme si on en avait pas assez avec les Assyriens et les Primordiaux et les mecs en noir, là. Les mecs des ténèbres, les guerriers des ténèbres. Allez, rajoutez-nous une couche. Et parsemez ça de 3 petits Primordiaux en plus, là, par-dessus. Ce type est pas comme les autres, tu sais. Il veut vraiment libérer notre patrie. Ses discours enflammés m'ont redonné du courage. Je suis prêt à prendre les armes et à chasser tous ces bâtards de Garmaldé. Vive à l'amigo! J'ai entendu des rumeurs. Le griffon, mon ami, on ne parle que de lui aujourd'hui. On peut dire que ce gars s'est inspiré les masses. Il a un charisme incroyable et un sacré talent d'orateur. Il porte toujours un masque, même devant ses plus proches collaborateurs.
Du coup, personne ne sait à quoi elle ressemble. C'est en partie ce qui entretient le mystère. Certains racontent que c'est pour cacher une vilaine cicatrice au visage, d'autres que sa tête a été mise à prix par les gardes maltais. Bref, on entend beaucoup de choses, on sait quasiment rien au final. Oh mon dieu, est-ce que c'est lui le méchant de... Stormblood? Gryffondor! Ah, moi je suis pas Gryffondor. Hein. Vous êtes quoi, vous? Vous êtes Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard, Sardaigle? Moi je suis pas Gryffondor. Hein. J'ai fait 1 milliard de tests, j'ai fait le test officiel 40 000 fois. Et que ce soit un faux test, un test BuzzFeed, un test fait par des fans, le test officiel, j'ai toujours eu le même truc. J'ai jamais eu autre chose. Quelque chose d'anormal, tu dis? Laisse-moi réfléchir une minute. L'Amigo n'est pas encore libre. Et ma vie est toujours aussi misérable. Non, je confirme. Un nouveau sous le soleil. Il est marrant, lui. Toutefois, si l'on croit le Griffon, l'heure de la libération est proche. Il doit avoir un plan béton armé, car il a l'air sûr de sa réussite. Et c'est tant mieux, parce que j'en ai plus que marre de ce trou maudit. Ok. Alors, avez-vous entendu quelque chose d'intéressant? Oui, le griffon. C'est quoi le griffon? La griffonne. Je connaissais la bouffonne, mais pas la griffonne. Après, le griffon, on peut l'appeler le bouffon, hein. S'il nous met des bâtons dans les roues et tout, ça peut être le bouffon. Décidément, ce griffon est sur toutes les lèvres. Elise et moi avons recueilli des témoignages similaires aux vôtres. Qu'un mouvement de résistance à l'envahisseur Garmaldé puisse exister ne me dérange pas en soi. Je crois même que c'est plutôt une bonne chose. Cependant, l'apparition soudaine de ce mystérieux révolutionnaire me préoccupe un peu. Ouais, c'est encore un truc qui va tourner au vinaigre, ça. Hein. C'était quoi cette créature? Qui a fait un bruit atroce. Ce qui m'intrigue le plus, c'est que le Griffon clame haut et fort que la libération est imminente. Il doit garder des atouts dans sa manche. C'est évident. J'espère simplement que sa confiance n'est pas liée à l'invocation d'un plan. Ah, le Griffon, il veut invoquer Ralgr pour tuer les gardes de Maldek. Et du coup, on va être contre lui parce qu'il invoque la primordiale, même s'il est de bonne foi. Et qu'il veut libérer sa patrie. J'aimerais beaucoup interroger Messire Gundobald à ce sujet. Mais j'ai entendu dire qu'il avait un caractère difficile. Est-ce que là vous dérangerait de jouer les intermédiaires et de nous le présenter? Nous gagnerions ainsi un temps précieux. Oui, mais Gundobald, c'est mon pote maintenant. Même si au début, il me parlait trop mal, mais. Même trop mal, c'est encore gentil, parce qu'il me traitait littéralement comme une petite merde. Mais maintenant. Il est gentil avec nous. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici, hein, purée. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait plus de 20 ans qu'Alamigo est occupé par la gueule Maldais. Où était le Griffon pendant tout ce temps? Pourquoi ça va que maintenant? Bah, je sais pas, peut-être que. Il a la foi ou alors il a eu un plan qu'il n'avait pas avant. J'espère que mes soupçons ne se confirmeront pas. Oui, moi non plus. Hein. Mais après, moi j'ai bien envie de me battre contre un nouveau primordial, là, ça fait longtemps. Et là, l'ami, j'ai vu que tes camarades ont interrogé les habitants de la colonie. Qu'est-ce qui se passe encore? Bah, explique-nous, c'est quoi ce délire de griffon là, s'il te plaît. C'est lui le griffon! Pourquoi ce serait pas lui? C'est lui le chef du truc ici. Ah, je vois qu'il t'intrigue toi aussi. Le griffon s'est imposé comme le nouveau chef de file de l'armée de libération migoise dernièrement. Personne ne connaît sa véritable identité. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il milite avec faveur pour une Alamigo libre. Je dois admettre qu'il est doué, parce qu'il a réussi à fédérer à sa cause une bonne partie des réfugiés en un rien de temps. Apparemment, il projette de libérer Alamigo de l'extérieur. Et semble plutôt sûr de son coup. De l'extérieur? Comment c'est possible? En tant que Migwa, ça me fend le cœur de soupçonner l'un des miens. D'un autre côté, tu m'as prouvé par le passé que tu avais un flair digne des plus fins limiers. Cette histoire de cristaux mérite effectivement d'être approfondie. Bon, je vais te faire confiance. Si tu veux savoir ce que le Griffon a derrière la tête, rends-toi sans attendre au temple enseveli de Karn. Il est prévu qu'il y fasse une allocation pour recruter des sympathisants prêts à rejoindre l'armée de libération. Ça devrait te permettre de te faire une idée plus claire du personnage. C'est vrai que nous soyons arrivés au bon moment. Venez, alors écoutez ce que ce révolutionnaire masqué noir a raconté. À vrai dire, si ça ne vous dérange pas, je préférerais rester ici. Son crâne ne devrait plus tarder. Et je voudrais pas qu'il nous attende pour rien. Soyez très prudent surtout, il peut très bien s'agir d'une embûche. Oh, je pense pas. On va juste taper un discours politique ou un truc comme ça. Ou alors il va nous voir dans la foule et puis il va ça va être la chasse aux sorcières, il va faire c'est des trahis, enfin, c'est des bouffons, tout, tuez-les. Je pensais qu'ils se rassembleraient devant le temple, mais comme il n'y a personne, l'allocution doit se tenir à l'intérieur. Allons-y. Mais il n'y a pas des monstres à l'intérieur? Ok, pourquoi pas. Bon, qui est ce griffon là? On veut en savoir plus. Putain, j'ai les lèvres qui pètent. Bon, c'est pas un Nathien, quoi. Il a beau avoir un masque, c'est pas un Nathien. Je ne vous apprends rien. Ça fait déjà 20 ans que l'Empire de Garlemald a annexé notre patrie avec ses machines. 20 ans!
qu'il a profité de notre combat pour destituer Théodoric, ce despote qui nous a tant fait souffrir. Les Garles Maltais n'ont eu aucun mal à nous envahir sans pitié dans le chaos qui a suivi la chute de ce tyran. Mais personne ici n'a oublié la beauté des terres migoises de Ghirabania. Et personne n'oubliera jamais nos frères et sœurs restés sur place. N'ai-je pas raison ? Imaginez nos terres bien-aimées, défigurées par ces forteresses d'acier, bâties entre les montagnes majestueuses. Souvenez-vous de nos compatriotes, morts en les construisant. Voyez le sol gorgé de leur sang en train de sécher au soleil. Souvenez-vous de vos frères. Ceux qui étaient forts et fiers ont été sauvagement assassinés. Rappelez-vous les autres qui avaient trop de muscles et pas assez d'orgueil. L'Empire les a embrigadés de force et envoyés mourir dans des combats. Bon, pour le moment, un discours politique pour rassembler des gens comme on les connaît, quoi. Rien de nouveau sous le soleil. Et ceux sans force ni amour propre sont désormais condamnés à baisser la tête devant les impériaux. Qui voudrait de cette vie de déshonneur? La mort de ce chien de Gaius Van Vaelsar n'a rien arrangé. Le nouveau gouverneur général nommé par l'Empire ne règne pas. On l'a pas vu beaucoup, le nouveau, du coup. Nous enfin, il parle de Varys, là, non, le mec attendre. Avec les... Une qu'on a vu. Hypothétique aide éorzéenne. Leurs dirigeants vomissent promesses et belles paroles, mais jamais ils ne combattront à nos côtés. Surtout ouais, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu, là, l'Empereur, là, ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas s'il parle de la même personne, mais... l'empereur là qui a une espèce de armure là qui est super large là, je sais pas quoi. On l'a vu à la fin d'Iron Reborn je crois, enfin avant Evansward. Et puis on l'a vu une fois quand il nous poursuivait avec Aziz là ou là je sais pas quoi, il voulait tuer les Vanu Vanu. Et après je sais plus, il a disparu. Et pendant ce temps, nos amis et nos frères vivent l'enfer. Et attendre la délivrance. Nous devons agir. Le plus tôt sera le mieux. Préparez-vous, car c'est une révolution qui va avoir lieu. Et ceux qui veulent me suivre se manifestent. S'il leur reste un peu de dignité, nous avons les armes qui leur manquent. Il ne tient qu'à nous de hisser à nouveau le drapeau migois au sommet des montagnes de Ghirabania. Bah, c'est un discours assez attendu. Voilà. Ouais. Dignité et armes. Ouais, il a pas mal joué sur le patriotisme, sur le fait que les gens aient perdu des trucs, qu'il y a des gens qui souffrent encore. Donc... des ressorts entre guillemets que ce soit vrai ou faux hein, d'ailleurs, mais des ressorts assez normaux que les politiques d'aujourd'hui même chez nous ils font en fait pour convaincre les gens quoi. C'est toujours sur l'appartenance à quelque chose, à des racines ou à des trucs comme ça. Donc et là il y a vraiment le fait ils motivent vraiment les gens quoi, en leur disant voilà, il y a une possibilité maintenant, est-ce qu'il va les envoyer au casse-pipe ou j'en sais rien. Mais en tout cas, avec un truc comme ça, t'as l'impression que tout est possible, quoi. Regardez là-bas. Ah ! Mince alors ! Et vous attendiez quoi, là, pour venir nous voir ? Ida ? Papa Limo ? Quel plaisir de vous retrouver. C'est comme ça qu'on les retrouve. Et en bonne santé qui plus est. Putain, ils ont des trucs à nous raconter. Ça alors, quelle surprise de vous croiser ici. Que les personnes qui partagent nos aspirations nous suivent
Enfin, ce n'est pas l'endroit rêvé pour des retrouvailles. Ah, vous avez plein de trucs à nous raconter là. Si vous le voulez bien. Du coup, eux, ils étaient avec ça, c'est ça, quand on les voyait que. Enfin, ils étaient avec genre les masques de fer là, je sais plus c'était quoi le nom. Mais en gros, ils étaient des gens militairement ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc comme ça, je pense. Donc, du coup, c'était ça, c'était la révolution. Parce qu'ils avaient aidé à se cacher ou je pense c'était ça quand ils sont partis du. De Hulda. Ils les ont cachés ici, enfin, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Et vous dites quoi là? Je m'attendais pas, mais alors pas du tout à voir ici, j'ai encore du mal à y croire, j'espère que ce n'est pas un rêve. J'ai l'impression que tu es encore plus robuste que la dernière fois que nous nous sommes vus. En tout cas, tu sembles en pleine forme, ça fait plaisir à voir. J'espère que vous aussi vous allez être relookés là, comme Alfino et machin. Parce que là, franchement, c'est pire qu'avant quoi. Je suis tellement soulagé de vous voir sain et sauf. Le plaisir est plus que partagé, Alfino. Papa Limo et moi étions convaincus que vous et les autres parviendraient à vous tirer d'affaire. Nos doutes se sont évaporés quand nous avons entendu que les accusations qui pesaient sur les héritiers avaient été levées et que vous aviez mis fin à l'existence des Braves du Cristal. Putain, les nouvelles vont pas en train. Vous étiez au courant? Mais alors, pourquoi êtes-vous resté caché? C'est vrai ça. Ils avaient une dette ou un truc comme ça? Après avoir fui Hulda, nous avons contacté de vieux amis qui nous ont hébergés dans leur repère, au sein de l'armée de la libération d'Alamigo. Ok, tout fait sens du coup. Ils nous ont offert l'asile. Nous avons voulu leur rendre l'appareil en offrant notre aide. Le jour où j'ai appris que les héritiers avaient été innocentés, j'ai envoyé une lettre dans laquelle j'expliquais notre situation. En jugeant l'expression de vos visages, j'en ai dit qu'elle n'est jamais arrivée entre vos mains. Ben non. Alors si Uriangé qu'il a eu, il a pas voulu nous la donner, c'est ça. Le messager à qui je l'ai confié semblait pourtant digne de confiance. Elle a dû être bloquée par la commission de censure de la résistance. Je ne vois que ça. Il faut dire que cet homme n'aime pas trop qu'on s'ingère dans ses affaires et a plus forte raison quand il s'agit des héritiers. Cet homme? Vous voulez parler du griffon? Mais pourquoi cette animosité envers les héritiers? Et puis qui est ce griffon au juste? Hormis le fait qu'il aime les grandes envolées lyriques, nous ne savons rien de lui. Malheureusement, l'homme que vous avez vu tout à l'heure n'est qu'une doublure. Hein? C'est quoi ce bordel? Le vrai griffon est extrêmement prudent. Il ne se montre jamais en public. Bien sûr, personne ne peut faire la différence puisqu'il porte toujours un masque. Moi, j'y arrive seulement parce que j'ai rencontré celui que je pense être le véritable griffon. Il était présent quand nous avons rejoint l'armée de libération. Il émanait de lui une aura particulière, très difficile à décrire. Il n'enlève même pas son masque devant ses camarades, alors qu'ils risquent leur vie pour lui. Tu parles d'un exemple? Bah, tu fous notre gueule ou quoi, là? Hé, ne me regardez pas comme ça. C'est complètement différent dans mon cas. Quoi qu'il en soit, le griffon est très populaire au sein de l'armée de libération. La question est de savoir si on peut réellement lui faire confiance. Je ne voudrais pas que mes camarades s'engagent auprès d'un homme qui ne les respecte pas. Étant donné que le véritable griffon n'a pas daigné se présenter devant nous, je crois que ta réponse est toute trouvée. Et voilà, quel motif que vous a conduit en ces lieux? Ils sont mieux les deux là. Avant, quand on les voyait, c'était un peu des running gags quoi. Genre, t'avais toujours Ida qui disait une connerie et Papa Limo pour l'engueuler derrière, mais là du coup ils ont des vraies conversations. C'est 100 fois mieux là, ce qu'ils viennent dire, c'est 100 fois mieux que toi, Ram Reborn. Quoi? Le griffon cherchera à invoquer un primordial? Je n'ai jamais entendu parler d'un tel projet dans l'armée de libération. Il s'agissait assurément d'une initiative personnelle. Je comprends mieux pourquoi il est si sûr de son coup. S'il vous plaît, laissez-nous vous aider à le retrouver. Si jamais le griffon couvre vraiment de mauvais desseins, alors je ferai tomber son masque et montrerai au monde entier son véritable visage. Et toi, tu montres le visage quand, là, au juste? C'est comme Uriangé, quoi, là, les deux, là, vous êtes trop mystiques. Oui. Le temps est venu pour nous de reprendre nos activités au sein des héritiers de la 7ème aube. Oui! Un new challenger. J'ai un plan qui devrait nous permettre d'en apprendre plus sur les agissements du griffon. Cependant, j'aurai besoin de votre aide. À tous les deux. Et toi aussi, Ida. Nous savons que la doublure reçoit directement ses ordres du vrai griffon. Par conséquent, s'il y a bien une personne qui sait où le trouver, c'est lui. Nous allons donc le questionner pour lui tirer les vers du nez. Mais comment? Bien sûr, nous ne pourrons pas agir devant les réfugiés qui auraient vite fait de nous passer à tabac. Il va falloir l'attirer dans un endroit écarté où nous pourrons l'interroger sans être dérangés. Ida et moi allons profiter de notre statut de soldat de l'armée de libération pour l'aborder après l'allocution. Nous prétexterons que nous connaissons des gens qui souhaitent se rallier à notre cause et le conduirons jusqu'à vous. Pour que l'illusion soit parfaite, vous devrez vous faire passer pour des réfugiés migois. En clair, vous allez devoir changer de tenue. Pour vous procurer des vêtements appropriés en vous adressant à Talbot. Remettez-lui cette bourse et dites-lui que vous venez de ma part, il comprendra. On va rencontrer le griffon.
On va réussir à rencontrer le griffon. Très bien, dans ce cas, ne perdons pas une minute. J'ai du mal à entendre. Tu veux que je te fournisse des vêtements de réfugié? C'est une blague, j'espère. Tiens, des sous. Attends, c'est vrai que j'avoue que quand tu vas dire à quelqu'un « Coucou, j'aimerais bien m'habiller en pauvre » ou « en mec qui galère » et tout. Genre comme si c'était un costume, quoi. Ah, mais t'es un ami de Papa Limo. Pourquoi te l'as pas dit plus tôt? Bouge pas, j'ai exactement ce qu'il te faut. Tiens, voilà deux tuniques et deux paires de trousses. Elles sont un peu usées, mais avec ça, ton pote et toi auraient aucun mal à vous fondre dans la masse des misérables qui croupissent ici. Oula, plein de trucs. Je sens que je vais avoir l'air ridicule dans ces vêtements. Enfin, quand il faut y aller, il faut y aller. Moi, je vais me changer à l'abri des regards. Retrouvons l'endroit convenu lorsque nous serons prêts, d'accord? Qu'est-ce que je dois mettre, du coup? Je suis rassuré de voir que vous avez l'air aussi ridicule que moi dans cet accoutrement. En tout cas, cela devrait nous permettre d'approcher le faux griffon sans susciter sa méfiance. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'attendre qu'Ida et Papa Limo conduisent la doublure jusqu'à nous. N'oubliez pas, nous sommes des réfugiés qui cherchent à se joindre à la résistance. Évitez de trop sourire et soyez aussi naturel que possible. Est-ce qu'il va vraiment nous croire alors que moi j'ai une tête de Vira et que lui il a une tête d'elfe? Après, pourquoi pas, il y a sans doute des elfes à l'amigo, mais... Je pense quand même qu'il va voir qu'on n'est pas... Qu'on n'est pas des réfugiés, il va nous cramer. Merci de nous avoir conduits jusqu'à eux. Alors c'est vous, ces braves que l'on m'a dit être attirés par notre mouvement de libération? Effectivement. Nous et du coup, le mec, là, le griffon, enfin, même si c'est sa doublure, il va se déplacer que pour deux personnes comme ça? C'est Space, non? Ou alors c'est juste qu'il veut tellement recruter un maximum de personnes qu'il irait faire du porte-à-porte à tout le monde, quoi? Si la résistance migoise existe encore, c'est parce qu'elle a su éviter les affrontements inutiles contre les impériaux. Ils vous surpassent en nombre et en armement. Nous avons donc été surpris en découvrant votre discours aux messages sensiblement différents. Je vais aller droit au but. Comptez-vous invoquer une entité semblable à un primordial afin de délivrer à l'amigo? Des contrebandiers d'Ishgard vous ont récemment remis une très grande quantité de cristaux. Nous le savons car nos amis les ont mis hors d'état de nuire. Pas la peine de mentir, on a pris le temps de se renseigner. Nous savons très bien que vous n'êtes qu'un homme de paille. Je vois. Vous n'avez pas usurpé votre réputation, héritier. Inutile d'essayer de vous cacher quoi que ce soit, j'imagine. Il est vrai que si je ne suis pas le véritable griffon, c'est sur ses ordres que j'ai récupéré ces cristaux. En revanche, notre but n'était pas de nous en servir pour invoquer un primordial. Nous en avions besoin dans le cadre d'une transaction avec les Amalja. Les hommes bêtes ont accepté de nous prêter quelques mercenaires à condition que nous leur fournissions les cristaux nécessaires. Pas bête, c'est une monnaie d'échange, quoi. Donc, tant que les intérêts de votre mouvement sont servis, vous vous fichez de savoir ce que les Amalja vont faire de ces cristaux. Vous êtes complètement fou. Est-ce que vous réalisez que si une région doit être détruite pour que votre révolution ait lieu, vous vous exposez à la vengeance des éventuels survivants? Alamigo ne connaîtra jamais la paix. Je n'ai que faire de vos bons sentiments. C'est cette lâcheté. Mais là, on parle pas de lâcheté, on parle de buter des gens sans raison. Si t'es pas content d'avoir perdu à l'amigo et que des innocents se soient fait écrabouiller, alors ne fais pas pareil avec un primordial. Allô? Ça fait trop longtemps que ça dure. Il n'y aura pas de révolution sans violence. Le griffon l'a bien compris, et il nous mène vers la victoire qui mettra fin à 20 ans de déshonneur. «
Qu'est-ce qui nous prouve que vous dites la vérité à propos de ces cristaux? Si vous voulez en avoir le cœur net, j'ai bien peur que vous ne soyez obligé de vous infiltrer chez les Amalja. Avec un peu de chance, vous arriverez avant qu'ils aient invoqué l'or primordial. Enfin, vous pouvez toujours venir inspecter le camp qui nous sert de base, si vous pensez que nous les y avons dissimulés. Ça ne me pose aucun problème. Ida et moi, nous sommes très bien renseignés sur la résistance miguoise. Nous pourrions fouiller le camp. Non, moi je pense qu'il dit la vérité. Dans ce cas, qu'il je pense qu'il ne mytho pas. Il a juste envie de recruter un maximum de gens pour faire le plus de... Enfin, de se créer une armée, quoi, tout simplement. J'en étais sûr. Tu as sauvé de nombreuses personnes qui combattent aujourd'hui à nos côtés. Tu les as impressionnées et inspirées. C'est grâce à toi si elles ont décidé de se jeter dans la bataille. Et je sais de quoi je parle. Je fais partie de ces mémoires qui ont failli mourir au moulin de la carrière. Heureusement que tu as traversé sombre linceul pour nous apporter des médicaments. C'était le club des torse nus, je crois. Et il y avait une nana qui voulait pas les soigner parce que chez les esprits de la forêt a dit qu'il fallait laisser crever ou je sais pas quoi. C'était une histoire un peu glauque comme ça. Je te remercie de la part de tous les réfugiés que tu as sauvés. Pour avoir redonné espoir à tant de gens brisés par le destin, tu es quelqu'un de grand. C'est indéniable. Bon, ok, il est pas tout à fait contre nous, quoi. Il est juste en mode tunnel sur son truc, mais ils sont pas... C'est pas forcément des ennemis des héritiers, quoi. Enfin, le griffon, en tout cas. Bon, tu comptes bouder encore longtemps. Tu t'en veux d'avoir manqué de répartie? Alors pourquoi ne pas développer tes talents d'oratrice et prendre sa place? Ça doit être quelque chose de se dresser dans les premières lignes de la résistance. Pas envie. Je n'en doute pas un seul instant. Ça fait des années que la situation est bloquée à Alamigo. Les actes du Griffon et de ses hommes... Ida, elle est d'accord avec ce que le mec a dit, j'ai l'impression. Ce qui se trame aujourd'hui ne sera pas sans conséquence. Leur révolution nous affectera tous. Si j'ai un conseil d'ami à te donner, c'est de prendre au plus vite les décisions qui s'imposent. Putain, il parle toujours aussi mal, en fait, papa. Il me retire sur ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il était plus sympa et tout, et qu'il engueulait pas, mais en fait, c'est reparti. Bon, après, il engueule moins qu'avant. Avant, il a trashé ses verres, là, ça va. La doublure du griffon semble bien vous connaître. Disait-il vrai quand il affirmait que vous lui avez sauvé la vie autrefois? Non, ne me répondez pas. Votre passé ne me regarde pas. Ce qui importe, c'est que vous soyez présent à mes côtés pour combattre les dangers qui menacent Orzea. Pour cela, vous aurez toujours mon admiration la plus sincère. En attendant, vous pouvez compter sur moi pour vous soutenir et vous accompagner dans votre lutte. Moi, ce que j'aime bien dans ce truc, c'est que... Enfin, si c'est vrai, entre guillemets, c'est qu'il réutilise un personnage qu'on a genre, aidé une fois, il y a un moment, et qu'il le remette là dans l'histoire en mode, ah, vous savez, depuis c'est passé ça, et maintenant j'en suis arrivé à faire ça, et c'est grâce à vous parce que vous avez fait ça à tel moment. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça veut dire que le monde vit. Et il n'y a rien que de mieux que de se dire qu'il se passe des choses quand toi t'es pas là, quoi. Quand que voilà, c'est pas le genre de jeu où la minute entre guillemets avance que quand t'es là, quoi. L'heure avance que quand t'es là. Genre quand t'es pas là, tout le monde est figé. Là, du coup, il y a un peu un semblant de ah, mais vous voyez, c'est passé des trucs machin. La doublure du griffon dit vrai. Les Amalja de Zaharak sont actuellement en possession d'une importante quantité de cristaux. Vous avez déjà dû affronter leur primordial par le passé. Vous savez mieux que quiconque combien elle peut être dangereux. Compte tenu du caractère imprévisible de la situation, il est nécessaire d'agir avec la plus grande prudence. Allons chercher Alizée, et mettons la stratégie au point.
Et je viens de réaliser un truc. On a été Axel Fatal parce que c'était Garuda. On a embêté les trucs là avec Titan. Et maintenant, on va s'occuper d'Ifrit. Je viens juste de réaliser qu'en fait, on faisait les trois gros primordiaux du début du jeu. J'espère que le Griffon ne nous a pas fait attendre des heures, comme notre ami Tancred. Plus sérieusement, qu'est-ce que vous pensez de son allocution? Ida et Papa Limo, ici? Il me tarde de les revoir. En cela, nous devons nous infiltrer en territoire ennemi. Et pas n'importe lequel. Le camp de Zaharak. En tout cas, pour moi, c'est quand vous voulez. Mes lames sont aiguisées et prêtes à trancher de l'Amalja. Bien, je propose que nous ayons rendu à l'entrée du camp pour commencer. Nous observerons les agissements des hommes bêtes avant de lancer notre offensive. Et Yeshtela, elle est pas là. Et Krill, elle est pas là. Pour nous aider. Qui c'est qui nous épie là? Uringer! Le griffon a suivi les instructions à la lettre. Il a aussi manipulé le griffon. Putain, c'est le bordel. Tout le monde manipule tout le monde. Hein. Tous les acteurs sont à présent en scène. Il ne reste plus qu'à lever le rideau sur le dernier acte. Ça sent que c'est la fin du patch là. Ils vont nous montrer des dingueries ou je sais pas quoi. Il va falloir sortir la bonne carte, car une telle occasion ne se présentera plus jamais, peut-être jamais. En tout cas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour accomplir la tâche qui est mienne. Puissiez-vous m'aider à rétablir l'équilibre.